Bonjour tout le monde. Eh bien, on est lundi. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. J'avais dit que je n'allais plus à Action avant la fin du mois. Hein. C'est raté. Mais j'ai une excuse. C'était pas pour moi. C'était pour une amie qui avait besoin de petites choses. Donc, j'y suis allée pour 2-3 blocs pour elle. Et puis ben voilà, j'ai ces blocs, enfin pas vraiment ceux qu'elle voulait, mais bon, je suis revenue avec des petits à côté, voilà, ça il fallait s'en douter, hein. Mais là, promis, juré, j'irai plus avant la fin du mois. Non, c'est bon là. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, d'abord dans les petits blocs 15-15, donc ça c'est le premier, c'est pour elle. Donc je vous l'ai déjà montré, hein. Et là, suffit, elle veut pas que je vous le montre. C'est le romantique vintage, donc je vous remontre pour celles qui ne connaissent pas. Voilà. Ben, je vais pas trop vite et que vous voyez bien. Il y a grand soleil aujourd'hui dans le nord, mais bon, comme pour l'instant moi j'ai pas le soleil à la fenêtre, donc je suis un petit peu dans l'ombre. Donc voilà, donc ça c'est le romantique vintage en 15-15. Ensuite il y en avait qu'un. Donc ça, je l'ai repris pour moi parce que je l'adore. J'ai fait des, ben, vous avez vu hein, sur ma vidéo d'hier, j'ai fait des cartes donc avec le Mixed Media et j'adore. Bon, Fifi, commence pas. J'adore ce papier et j'espère encore en retrouver pour faire du stock, mais pas avant la fin du mois. Alors, non, arrête, Fifi, s'il te plaît. Alors, pour celles qui ne le connaissent pas, pareil, je vais vous montrer. Si Fifi veut bien me laisser. Hop. Là, le pailleté. Donc, il y en a deux de chaque. Hein. Un pailleté un peu plus soutenu. Celui que j'adore, le oléographique, il est super beau. En vrai, quand vous le voyez, il est magnifique. Celui-là aussi, avec les étoiles. Là. Mais bon, je vous les avais déjà montrés, hein, mais bon, je le remontre pour celles qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes ou qui ne les auraient pas vues du tout. Et voilà, donc celui-là c'est le Mixed Media, donc c'est le doré. Ensuite, alors je les avais vus dans une vidéo, je me suis dit mince, pourquoi j'ai pas trouvé ça. C'est les nouveaux 15-15, alors pareil, c'est avec du foil. Et pour les enfants, c'est la série Disney. Donc qui vient un peu en complément des 3D, des stickers 3D qu'on a eu il y a quelques semaines. Alors du coup, je vais pouvoir attaquer mes cartes. Et il est juste joli, magnifique, splendide, j'adore. Donc là, c'est le mini. Bon, je ne les ai pas tous trouvés, j'ai pas miqué, malheureusement. Donc je les ai pris en double. Parce qu'il y en a, regardez, on n'est pas obligé de s'en servir pour le... Pour avec des Mickey, hein. Donc il y en a deux de chaque. Voilà, je vais vous montrer dans ce sens là. Bon, il commence à faire du foil, hein, Action, c'est pas mal. Alors là, voilà. Ben, normalement il y en a deux de chaque. Ah, pourquoi celui-là j'en ai qu'un? Non, on n'a pas. Ah non, voilà, c'est bon, il y en a deux. Je croyais qu'il manquait encore une feuille. Je vais dire non. Hein. Ah, allez, celui-là. C'est trop beau.
Vous voyez, on n'est pas obligé de vraiment s'en servir pour les Mickey. Là, voilà, avec Minnie. Là, bah, c'est marqué Minnie, hein, donc regardez comment c'est super beau. On arrive même à voir. Non, non, non. On arrive même à voir la caméra, regardez, à travers le papier, tellement ça brille. Puis là aussi. Oui. Là, encore avec des têtes de mini. Voilà, c'est tout pour celui-là. Donc, je l'ai en double. Je vous remontre la couverture. Là, comment elle s'appelle? Reine des Neiges. Mais je sais plus comment elle s'appelle. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi. Donc là, Reine des Neiges. Allez, celui-là, pour faire une carte de Noël peut-être. Là, c'est qui? Elaf, c'est ça? On dit Elaf, je crois. Bon, il n'y a pas tout à fait la tête d'Elaf. Voilà. Oh, celui-là, il est super beau aussi. Allez. Alors là, c'est marqué quoi? J'en sais rien. Il y a Elsa. Anna et Elsa. Et there is no better friends than a sister. Voilà. Ah non, le voilà, Elaf. Ouais, là, il est mieux. C'est vrai. Regardez, vous voyez, on voit à travers ce qu'il y a. Là. Encore. Donc voilà, pareil. Donc je l'ai en double. Et le dernier, alors elle, comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Je sais pas. Mais là, je crois qu'il y en a plusieurs. Ça doit être les princesses. Voilà. Je vous montre. Alors, ça doit être. Ah, ça, c'est la petite sirène. Voilà. Ça. Là, il y a un château, il y a peut-être Cendrillon. Celui-là. Bon, il n'y en avait plus beaucoup non plus. Et je dis, je crois qu'il y a d'autres. Hein. Il y a Mickey, puis il y a... avec Bourriquet, là. Je retiens jamais le nom de ce dessin animé. Regardez celui-là. Ah, j'adore. Ah, il est trop beau. Arrête, Fifi. Ah, là, c'est Cendrillon. Voilà, avec la chaussure. Non, 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 pas devant. Merci. Et là... un château. Voilà, donc pareil, je l'ai pris en double. Je crois que maintenant je l'ai pris en double à chaque fois parce que sinon après on court pour en avoir. Alors j'ai fait une découverte au rayon enfant, loisirs créatifs pour enfants. Il y avait d'autres modèles hein, mais bon, j'aurais bien voulu tous les prendre, mais bon, il y en a qui me plaisaient moins. Donc, c'est les rubans adhésifs. Et là, il y en a beaucoup plus que dans ceux qu'on avait eu pendant un moment au rayon loisirs créatifs normal, celui quand on rentre. Donc, voilà. Donc, les rubans. Allez, donc, ça fait des deux côtés. Hein. Mets-toi là, mes mères. Celui-là. Arrête. Celui-ci.
J'espère que ça brille pas trop, que vous voyez bien les couleurs. Alors, celui-ci. Et celui-ci. Il y a une, je pense qu'il y a une dizaine de modèles différents. Voilà. Donc ils sont un peu plus chers, bah vous avez vu, hein, je vous ai mis le prix. Ils sont un peu plus chers que ceux qu'on avait avant, mais il y en a plus quand même. C'est le double. Avant on en avait 4 et là il y en a 8 par paquet. Ensuite, alors j'ai pris des brades. J'ai une quantité astronomique de brades parce que bah, je m'en sers pas. J'y pense pas. Mais ceux-là, j'ai trouvé super joli. Regardez, voilà. Donc je pense que c'est des nouveaux. Celui-là avec les oiseaux, il est super beau. Et celui-là, donc, avec des fleurs, des roses. Il est super beau. Et il y a même un halo. Chouette. Ensuite, j'ai repris, alors c'est des, je pense aussi que c'est des nouveaux parce que je ne les avais pas encore vus, les dentelles adhésives. Et là, c'est bien parce qu'il y en a un petit et un large avec. Voilà, donc celui-là d'abord. Pareil, il y a d'autres couleurs, hein. Il y en a même un avec une dentelle rouge, j'ai vu, mais bon. Moi, comme je fais pas mal de vintage, tout ça, le rouge, bon, ça le faisait pas. Et celui-ci. Regardez. Regardez ce qu'elle fuit. Proche mes mères. J'ai repris du cardstock. Parce que bah, ça, j'en utilise beaucoup. Donc, j'ai pris le crème et le blanc. Voilà. Ensuite, alors ça, j'ai craqué dessus. Bon, sur le coup, je ne savais pas quoi en faire. Mais maintenant, je sais. Il y aura une vidéo là-dessus. Regardez, les petits oiseaux, donc ça on les trouve au rayon bah, des fleurs artificielles. Donc il y a une petite voilà, je sais pas si vous verrez, une petite ficelle plastique transparente qui fait qu'on peut les pendre, mais moi je vais pas les pendre, hein. Je vous en dis pas plus, vous verrez ce que je vais en faire. Donc j'ai pris en rose et j'ai pris en bleu. Alors par contre, il y avait aussi en vert et je regrette de ne pas avoir pris le en vert parce que le projet que je vais vous faire, bah, la couleur principale c'est vert. Alors est-ce que je vais mettre les roses? Je verrai en mettant à côté si je vais mettre les bleus ou les roses. Voilà. Mais bon, on arrivera bien à se débrouiller. C'est quoi cette position là? C'est quoi cette position? Grosse vache. C'est une grosse vache. Mes mères, depuis qu'elle a été opérée, donc vous rappelez, quand elle a été opérée, la veto m'avait dit, c'est une crevette. Elle faisait 2 kg 300. Et hier, je l'ai pesée. Elle est presque à 3 kg 500. Je suis contente. Elle a pris 1 kg 200. Ça se voit. Hein, ça se voit parce qu'elle commence à avoir un gros bidou. Arrête de mordre. Arrête de mordre. Crapule. Alors, pour la copine, alors là, à part le petit 15-15 en premier, tout ça, c'était pour moi. Voyez, donc, je voulais rien hein, pour moi. Alors, pour la copine, j'ai pris celui-là. Elle voulait le doré, le gold et silver. Il n'y en avait plus. Mais comme je l'ai en double, moi, bon, je vais voir avec elle. Je vais peut-être lui donner le mien. Donc, alors, on va faire comme ça. Mais bon, vous commencez à connaître. Hein. Donc, c'est une page normale et une page avec du foil. Voilà. Donc là, il n'y a pas de... C'est juste du recto. Hein. C'est plus cher et c'est juste du recto. Donc, la page normale, la page en foil. Voilà. Je ne vais pas vous répéter à chaque fois. Maintenant, vous avez compris le système. Voilà. Bon, et c'est pareil, Matoska, en les voyant, confirme-moi que tu veux bien cela.
Sinon, c'est pas un problème. Que, bon, en plus, mon téléphone est mort. Enfin, il est pas... je pense pas qu'il soit complètement mort. C'est la batterie. Donc, j'ai réussi à me commander une nouvelle batterie ce week-end. Donc, je l'attends. Donc, j'ai ressorti un vieux téléphone. Et cela, c'est. Vous voyez, c'est le téléphone comme ça. C'est le téléphone qui est Microsoft. Je ne peux pas avoir YouTube dessus, c'est la galère pour envoyer des messages avec une photo. Donc vivement que j'ai la batterie, et j'espère que ce n'est que la batterie, parce que mon téléphone s'est éteint tout seul, il ne s'allume plus. On ne sait plus le charger, on ne sait plus l'allumer. Voilà. Alors du coup, je voulais lui envoyer des photos des blocs que j'avais trouvés, mais pas moyen. Voilà, avec des cœurs, là des grands cœurs. Et voilà, pour celui-là. Ensuite, là, dans les normaux, on va dire, le Floral Witch. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Donc là, c'est recto verso, hein. C'est comme ceux qu'on a toujours. Donc, je vous montre d'abord la première. Le recto. Voilà. Nya 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 nya. Tu peux pas. Oui, je sais. Je m'occupe pas de toi, ça t'embête. Non, 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 non. Là. Pas bouger. Un Vichy. Des petits pois. Des gros pois. Des grosses roses. Alors là, maintenant, c'est le verso. Voilà, c'est vraiment fleuri, hein. Bah, de toute façon, ça s'appelle floral, hein. Donc on pouvait pas faire autrement, hein. Voilà, voilà, et voilà. Et le dernier, et c'est le dernier article. Bon, vous voyez, j'ai quand même été un peu près sage. Non, mais voilà. Donc c'est de Vintage Dream. On va vous montrer ça. Quelle glu ce matin! Non! Elle va déjà sauter sur la table. Hein. Oh. Voilà. Donc, pareil, je vous montre d'abord le recto. Voilà. Il y en a des jolis, hein. Voilà. Alors, le verso. Hop, 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 c'est collé. Voilà. Avec des cages, des oiseaux. Et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. De toute façon, bon, il n'y avait pas vraiment de choses très très intéressantes aujourd'hui. À part ben, les galons, là, je suis contente de les avoir eus. Ça. Les oiseaux aussi. Et bon, je regrette de ne pas avoir pris le verre, mais bon, c'est rien. Mon projet ira très bien quand même. Et content d'avoir trouvé ces rubans. Parce que je les aime bien. Voilà. J'aime bien ces rubans. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, j'ai toujours le projet de continuer de ranger mon atelier. Il faut que je le fasse. Et c'est ce que je disais tout à l'heure justement avec Matoska au téléphone. Je me suis aperçue que j'ai des choses, principalement d'action, que j'ai jamais utilisées depuis que je les ai achetées il y a un an. donc il faut que vraiment je fasse ce tri et voir ce que je garde, ce que je garde pas. À chaque fois, je vous le promets de le faire.
Mais c'est tellement, 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 tellement le... C'est Hiroshima dans mon atelier. Faut que j'ai le courage de le faire. Faut que je me prenne une journée où je ne fais que ça. Donc là, de toute façon, mon mari va bientôt être en congé la semaine prochaine. Donc je vais peut-être profiter qu'il est là. Moi, je vais aller faire mon atelier et comme ça, lui s'occupera de faire le repas. mais il n'y a pas, il faut que vraiment que je fasse le tri. Parce que là, des fois, je réfléchis, je me dis, mais si on devait déménager de l'appartement, c'est une horreur. C'est une horreur. Il me faudrait une semaine pour tout mettre en carton, rien que pour mon atelier. Non, il faut que je fais le tri et que j'arrête d'aller à Action. Vous croyez que c'est possible? La deuxième, hein, vous avez pu aller à Action. Vous pensez que c'est possible? Il n'y a pas une association comme les AAA ou donc là alors, pour les alcooliques comme on dit l'association anonyme des alcooliques ouais donc bah, il y aurait les AAA aussi mais association anonyme action pour les alors j'ai vu dans le mien de l'action donc celui de l'ERS donc je ne sais pas si c'est pour toutes les actions mais le dernier dimanche de août et le premier dimanche de septembre, ils vont être ouverts. Je voulais prendre en photo l'affiche et j'ai oublié. Donc le dernier dimanche de août, oui, et le premier de septembre, ils vont être ouverts. Donc je pense que c'est pour la rentrée des classes. Donc je vous dis ça au passage. Bon, moi je vais pas y aller, hein, parce que alors là, je vais me faire tuer. Si je dis on va à Action un dimanche. Ah bon, ça commentaire, hein? donc voilà. Deuxième chose. Alors, dernière chose plutôt. Cette semaine, il y a eu un live sur un groupe Action au soir. Donc, c'est une personne qui travaille au siège social de Paris. Donc, qui a fait ce live. Et qui demandait ben, qu'est-ce qu'on aimerait trouver, donc qu'est-ce qu'on aime trouver chez Action. Parce que normalement, alors la date je la connais pas exactement, mais en septembre, donc elle a dit pour la rentrée, donc je pense que c'est pour septembre, Action va avoir un site internet où on pourra commander directement dessus. Donc un site e-commerce, voilà. Et donc alors il va y avoir un site dans leur pays bien sûr, c'est en Hollande je crois, il y aura un site belge et un site français et un site, je crois qu'elle m'a, là je suis plus sûre, je crois qu'elle a parlé de la Suisse mais je ne suis pas sûre, là c'est vraiment entre parenthèses. Alors, les Français ne pourront commander que sur le site français, bien sûr, les Belges sur le site belge, etc. Parce que les prix ne sont pas tout à fait pareils par rapport au pays. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc, il y aura du loisir créatif. Il n'y aura peut-être pas tout, quand même, c'est ce qu'elle a dit. Il y aura beaucoup la déco. D'ailleurs, sur la déco, on risquera peut-être de retrouver la fameuse console que tout le monde s'arrache, moi j'ai toujours pas réussi à avoir, mais bon, de toute façon, là j'ai pas la place pour la mettre, donc je sais pas si je me l'achèterai. Voilà, et niveau alimentaire, normalement il n'y en aurait pas, peut-être pas, parce que bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes pour l'alimentation, pour la vente internet, comme elle a expliqué. Mais donc, pour la rentrée, la date, je ne la connais pas, mais bon, sur Facebook, ils vont en parler sur leur site. Ils en parleront aussi, puis ils vont sûrement en parler dans les magasins, mettre d'affichage. Donc, il y aura un site où on pourra commander directement. Et on serait livré donc en Colissimo, à domicile. Voilà. Donc, pour celles qui n'ont pas vu le live ou qui ne sont pas au courant, ben, comme ça, voilà. je vous en parle. Bon, ben voilà, j'ai fini de faire mes blabla. Il est 11h15. Je vais vite, vite monter la vidéo. Et après, faire mon ménage.
ranger tout au moins la table de mon atelier. Je vais essayer de vous faire le projet que j'ai avec les oiseaux. Donc je le fais en vidéo bien sûr, et je dois attaquer le grand album. Donc la grand album, je pense que je l'attaque demain. Donc vous aurez une première vidéo, je pense, mercredi, avec la première partie de ce grand album. Et la première partie, comme je vous avais dit dernièrement, ce sera la couverture et la reliure du milieu. Voilà. Et après, ben, on fera au fur et à mesure. Donc voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. N'oubliez pas, le concours est toujours d'actualité, hein, il se termine le 15 août. Donc, vous avez le lien en fin de vidéo. Il y a également le lien de la vidéo où je vous ai mis les lots à gagner. Voilà, donc n'hésitez pas à les voir et à laisser des commentaires et surtout à participer au concours, hein. Donc, on n'oublie pas, pour participer au concours, il faut être abonné à ma chaîne, obligatoirement. Et ne pas se désabonner après le concours, hein. Voilà. Donc, en plus, je suis contente parce que j'ai vu que j'avais depuis que j'ai mis le concours, bah, j'ai une centaine d'abonnés, un peu plus même, supplémentaires depuis mes 1000 abonnés. Donc, je suis super ravie. Je vous adore tous. Et Fifi aussi, hein, bien sûr. Elle vous aime. Ah oui. Ah oui, t'aimes tout le monde qui vient voir maman sur les vidéos. Qui vient te voir toi aussi. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Fifi et moi, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bisous, bisous.